Bonjour les Verseaux et les ascendants pour la guidance sentimentale du mois de décembre. Bonjour à vous tous mes amours. Vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux et donc du coup cela me touche énormément. J'espère que cela vous touche aussi. Allez, c'est parti. Vous savez que nous avons un nouveau message de l'ange Indigo et nous allons donc le découvrir ensemble. Donc abonne-toi, partage, diffuse cette guidance autour de toi. Si tu le souhaites, tout simplement. Ok, c'est parti, nous sommes dans la joie, dans la bonne humeur, et on y va. Alors, quel est donc ce message de l'ange Indigo? La nature. La nature, qu'est-ce que... Fab, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous. Ok, si tu regardes bien la lame de la nature, quelle est donc ta nature? Quelle est donc ta nature profonde? D'ailleurs, c'est ce que l'on m'indique. Quelle est donc ta propre nature? Où c'est que tu veux aller? Avec qui? Quand? Comment? Tout simplement. Et rentre à l'intérieur de toi. Arrête de te focaliser sur l'extérieur qui ne te servira à rien, à part t'éloigner de ton propre chemin. Ta propre nature est quoi? Tout simplement. Dis-moi-le en commentaire, en message, cela pourrait être intéressant pour toi comme pour toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, et la communauté, partagez. Voilà, tout simplement, partagez ensemble les commentaires, vous les lisez, tout ce qu'il y a dessous, sous cette guidance, et puis vous communiquez tous ensemble, ok? C'est merveilleux, comme quand on fait, comme quand je fais les guidances en direct avec vous. D'ailleurs, je vous invite à me retrouver en guidance en direct sur YouTube, les samedis et les dimanches à 19h, de toute façon, je vous l'indique sur Facebook, juste avant. Voilà, c'est magnifique, c'est formidable. Alors, quelle est donc ta propre nature? Nous allons donc découvrir sentimentalement quelle est donc celle-là. Avec l'oracle des dragons protecteurs, avec le tarot des anges et avec les esprits de la forêt. Allez, c'est parti, on y va. N'hésite pas à partager. C'est le plus important en fait, tout simplement, pour que la communauté grandisse. Parce qu'on est tous ici pour grandir, pour progresser, pour croître. Et c'est merveilleux, c'est formidable. C'est ce qui se produit et j'espère que tu ressens toute cette énergie, ce dynamisme, cet amour que je t'envoie. Aime-toi et tu verras. À force de suivre mes guidances, tu vas t'aimer inconditionnellement. Et ça, c'est merveilleux, tout simplement. Allez, c'est parti. On demande les Verseaux et les ascendants. Verseaux et les ascendants pour cette guidance. Donc, ok. Magnifique, magnifique, magnifique. Nous avons le serment, le sel qui rit, la licorne dorée. Alors, tu vas me dire oui, de quoi tu veux me parler. Allez, nous allons voir ensemble. Nous avons l'unité. Le 6 de terre qui nous indique très clairement que tu vas recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'énergie. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Mais pour avoir ces énergies, recevoir ces énergies, tu vas avoir des nouvelles opportunités de carrière. Tu vas peut-être recevoir un prêt où tu vas pouvoir arriver à rembourser des dettes. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Mais quand même, il va falloir que tu fournisses des efforts pour ça, que tu passes à l'action très clairement. Voilà ce que le 6 de terre nous indique très clairement qu'il faut que tu sois plus ancré, que tu passes plus à l'action, que tu oses plus en fait. Pourquoi être dans la procrastination et dans le manque d'action? Voilà, tout simplement. Nous avons la lame des amoureux qui nous disent « aimez-vous l'un l'autre ». Comment faire pour aimez-vous l'un l'autre? Si tu as du mal à t'aimer toi en priorité, comment veux-tu que ton partenaire puisse t'aimer aussi? La première des choses à faire, c'est que tu t'aimes en priorité, ton partenaire s'aime en priorité, et c'est comme ça que vous allez vous aimer l'un l'autre. L'amour grandit une fois que tu es dans l'amour véritable, et ton partenaire pareil. Les deux vont être dans l'amour véritable. Et c'est ça qui est merveilleux, qui fait qu'un couple perdure avec le temps. Bien sûr, c'est très très dur à réaliser. Bien sûr, c'est déjà très très dur de trouver un partenaire qui nous correspond et qui reste sur le long terme avec nous. Parce qu'il va falloir faire
des sacrifices, voilà, tout simplement, et d'être dans, vraiment dans l'amour véritable. La reine d'eau nous indique qu'il va falloir que vos relations atteignent un nouveau stade. Parce qu'en ce moment, peut-être c'est un petit peu trop la routine. Alors pourquoi ne pas faire des autres choses, se demander en fait l'un à l'autre comment on fait pour qu'on casse cette routine. D'accord ? Grand-mère magie nous indique qu'elle vous réconforte dans toutes les situations, quoi qu'il arrive. Tu peux rien. Tu comprends ? Quoi qu'il arrive, rien ne peut t'arriver qui peut te faire du mal ou du bien. Si ça te fait du bien, tu grandis. Si ça te fait du mal, tu grandis. Tu passes par la souffrance, tu grandis. Tu passes par la joie, tu grandis. Donc, quoi que tu fasses, tu apprends en permanence. Et du coup, tu changes en permanence. Tu comprends le truc ? Tu grandis en permanence, tu évolues en permanence, tu crois en permanence, tu deviens de plus en plus mature. Donc du coup, ton chemin, il avance tout seul à ton propre rythme. Même sans rien faire, tu apprends en permanence en regardant des trucs tout débiles peut-être, mais tu apprends des choses débiles. Ou tu peux apprendre des choses qui vont te nourrir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi ? Par exemple, si tu lis un livre, ça va te développer tes pensées, ton imagination. Tu comprends ? Donc du coup, tu vas évoluer beaucoup plus vite. Si tu suis mes guidances, tu vas suivre des conseils, tu vas être guidé et accompagné en permanence et du coup, tu vas améliorer ta vision de voir les choses plus positives, plus vers la lumière. Comment je fais pour améliorer ma vie ? La reine Onag nous indique que c'est une solution géniale qui se profile à l'horizon. Pourquoi ? Parce que grâce à ton abonnement et à ton partage sur cette guidance, eh ben cette solution géniale, elle va émaner en toi. Chaque guidance, c'est une petite graine qui est solidement implantée en toi, qui va te permettre de t'améliorer, de te nourrir, d'aller vers cette lumière, oh, qui est formidable, vers cette illumination que nous cherchons tous à obtenir. Mais nous ne l'obtenons pas en fait, car nous ne le sommes déjà. Il suffit juste de s'ouvrir pleinement à cette lumière qui nous attend depuis si longtemps. La licorne dorée nous indique la protection, le gardien et les défenseurs. Tu es le défenseur de tes enfants, de ton partenaire. Tu as le devoir d'être le défenseur. Tu dois te défendre en permanence contre ce monde hostile, ce monde qui est autour de nous, qui est hargneux, dur, rude, peu importe comment tu le vois, c'est ta propre vision de voir les choses. Tu es le gardien, tu es le propre gardien de ta vie, c'est toi seul qui a le contrôle de ta vie. Personne ne peut te contrôler, à part toi-même qui veut changer. Tu veux changer, tu peux changer. Tu veux te contrôler, contrôle-toi. Tu es ton propre gardien et tu es aussi le protecteur. Tu es le protecteur de ce monde. C'est toi qui décides si tu veux faire du bien ou si tu veux faire du mal. Qui c'est que tu veux protéger ? Tu veux protéger tes enfants, ton partenaire, toi-même, contre ce mal qui est tout autour de nous, ces personnes toxiques ? Alors éloigne-toi de cet environnement et va vers des environnements qui sont beaucoup plus positifs, qui vont t'amener vers cette lumière, vers des gens plus positifs et énergiques, qui eux veulent aller de l'avant, qui veulent progresser, qui veulent améliorer la vie, qui veulent un monde différent, un monde meilleur. Et ce n'est pas utopique, car si moi je le fais, toi, tout le monde le fait, nous serons dans l'unité. L'unité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes tous reliés. Quoi qu'il arrive, nous sommes tous connectés au même endroit, au même instant. Et donc du coup, si on fait tous du bien, moi, toi, 1 million de personnes qui font du bien, 1 million de personnes, ils peuvent faire énormément de choses. Alors pour imaginer un truc beaucoup plus simple, comme ça tu comprendras, si chaque personne planterait un arbre, alors on pourrait mieux respirer, parce qu'il y aura plus d'oxygène. Parce que pendant ce temps, il y a plein de personnes qui sont en train de détruire la forêt amazonienne, par exemple. Alors pourquoi on ne serait pas
Il y a une petite poignée qui casse tout pour qu'on perde de l'oxygène. Et puis il y en a d'autres là, on serait pour améliorer notre vie, tout simplement. Celle qui rit nous indique, c'est l'humour, la perspective et l'hilarité. Pourquoi être sérieux en permanence? La vie est un jeu. On peut rigoler, on est dans l'humour. Pourquoi? On ne rigolerait pas. Pourquoi toujours avoir cet air sérieux? Je suis, je dois vous voyer, mes personnes hiérarchiques. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les années 40, alors, pour mettre du pouvoir, pour donner du pouvoir à certaines personnes, que je nommerai pas ici, il faut vous voyer ces personnes. Moi, je tutoie tout le monde, car on est tous des frères et des sœurs, même si cela, ça dérange ton patron ou tes chefs et tout. Tu peux les tutoyer. Le vouvoiement, c'est fini, c'est terminé, ça. Il n'y a que dans ces anciennes entreprises, qu'on dit anciennes entreprises, qui sont pas aux normes, tout simplement, qui... Alors, bonjour, je suis directeur, donc il faut que vous me vouvoyez, vous comprenez? Alors que si tu tutoies cette personne, par exemple avec son prénom, tu le regardes bien dans les yeux et tu lui dis bonjour, tu vas bien, qu'est-ce que tu te ressens en toi, que tu t'intéresses à cette personne-là, alors tu verras que tu n'as pas besoin de le vouvoyer, car nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est pas parce qu'il a 1 million sur son compte et que toi t'as 10 euros sur ton compte qu'il est supérieur à toi. Il a plus d'argent que toi, certes. Mais toi, est-ce que tu as pas plus de richesse de toi que lui il en a? Est-ce qu'il a pas un vide intérieur parce qu'il n'aura pas travaillé sur ce vide? Et toi, cette richesse de soi parce que tu seras resté dans la solitude et tu auras appris à te connaître. Et donc du coup, tu auras la belle richesse de soi. C'est ça le plus important. La belle richesse de nous-mêmes à l'intérieur pour faire changer ce monde à l'extérieur. Voilà, tout simplement, je t'invite à me contacter en consultation privée si tu le souhaites. Voilà, tout simplement, parce que je suis coach dans la relation à soi, donc à nous-mêmes, pour arriver à mieux nous connaître. Parce qu'une fois que tu seras mieux à l'intérieur, alors ton monde extérieur sera magnifique. Tu rencontreras que des gens positifs, tu iras dans des endroits de bien-être, tu iras te balader dans la forêt, et le monde toxique, tu le verras beaucoup moins. Pourquoi? Parce que tu te seras éloigné, puis tu seras arrivé à te protéger. Donc les gens toxiques, ils te diront « Oh là là là, cette personne-là, elle est protégée. Oh, je peux pas y aller. » Quoi qu'il arrive, il s'est mis des barrières. Et ils disparaîtront, comme par magie. Et ton monde... Ouh, il rayonnera, tout simplement. Le serment, quoi qu'il arrive, mets-toi un serment. Le serment, c'est 3 étapes. C'est la promesse, c'est l'engagement et le contrat. Tu te promets dès aujourd'hui, et tu n'attends pas le 1er janvier, puisqu'on est au mois de décembre. Donc, promets-toi pas, pour le 1er janvier, je vais changer. 88% des résolutions ne sont pas tenues. D'accord? Il faut savoir. Donc, promets-toi aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, tous les jours. Tu te promets que c'est fini. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de changer. Tu vois, ce truc. La cigarette, l'alcool, de perdre du poids, d'être beaucoup mieux, d'être plus souriant, d'être pas timide, de sortir de cette zone d'inconfort. Tu vois ce que je veux dire? De cette... situation toxique, de cette situation violente, de cette situation accablante, tu vois. Et du coup, tu te promets, voilà, je me promets que de maintenant, ça va aller mieux. Et que demain, qui est incertain, eh ben, si je le fais maintenant dans l'instant présent, alors tout ira bien. Je me promets que tout ira bien parce que j'ai décidé. Je me suis engagé à améliorer ma vie, quoi qu'il arrive. Beaucoup de personnes, tout autour de moi, tout le monde peut me dire, me rabaisser, me critiquer et tout, ne pas croire en moi. Je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je me suis mis en engagement. Quoi qu'il arrive, je vais vers la lumière. Et fais-toi un contrat. C'est ça le serment. Signe, écrit,
aujourd'hui j'ai décidé de changer. On est le 4 décembre, etc. Le 4 décembre 2019, j'ai décidé de changer, de m'améliorer, de faire ça, ça, ça. Et je signe un engagement. Voilà le serment que tu dois te promettre à toi-même. Le plus important est que tu dois changer ce qui ne va pas en toi. Il n'y a que toi qui peux changer. Moi, je t'accompagne et je te guide jour après jour. Mais il y a le petit truc qui ne va pas en toi. Tu peux le changer à tout instant. Tu peux renaître de chaque situation. Et c'est pas parce que tu as 80 ans, 70 ans, 60 ans, 20 ans. Je suis trop jeune, trop vieille, trop vieux. J'ai pas assez de cheveux. Non, tu vois, tu peux changer à chaque instant. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Félicite-toi car tu as une belle concentration si tu m'as suivi jusqu'à maintenant. Et puis, bah, tout simplement, si tu veux me soutenir, il y a mon lien en dessous, Tipeee. Tu peux me faire un don si tu le souhaites. Tu peux me retrouver en consultation sur bowman.fabrice@hotmail.fr. Je t'attends. Il est grand temps pour toi de changer. Prends-en bien conscience. À tout de suite.